Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'on a dépassé la barre des 1000 abonnés, c'est genre énorme. En plus ça s'est fait hyper rapidement, genre quand j'ai passé les 1000, en 3 jours j'étais déjà à 1080. J'étais en mode, c'est une blague. Enfin bref, là on est à plus de 1100, c'est genre énorme. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le tag ma vie en équitation. Ce que je me suis dit, je voulais faire ce tag depuis longtemps et je me suis dit bah pourquoi pas le faire genre pour se présenter genre aux nouveaux abonnés etc. Bref, donc je me suis dit ça pourrait m'éviter de faire un draw my life parce que je ne sais pas dessiner. Voilà, et en fait là il y a plein de questions, genre il y a 41 questions il me semble. Donc écoutez, on se retrouve dans une heure. Donc on va commencer le tag tout de suite, donc je l'ai trouvé sur un blog. Après je sais que sur YouTube il a été fait énormément de fois. Première question, depuis quand montes-tu à cheval? Je monte depuis septembre 2008. Question numéro 2, à quel âge as-tu commencé à monter? J'avais 7 ans et demi, enfin 7 ans et 9 mois, 8 mois. Troisième question, tu as commencé à monter à Shetland, poney ou cheval? Shetland, c'était trop bien. Oh, j'aimais trop les Shetland. Oh. Quatrième question, actuellement tu montes des chevaux ou des poneys? Je monte les deux. Voilà, mais en concours et tout je monte des poneys. Parce que je suis plus allée sur un poney que sur des. Enfin, je suis plus allée sur des poneys que sur les chevaux. Parce que les chevaux, je trouve ça trop grand, enfin leurs allures et tout, je suis pas trop à l'aise. Sur les poneys, c'est plus mignon. Enfin, quand je dis poney, c'est poney D. Hein. 5. Montes-tu en club? Oui. 6. Combien de fois montes-tu par semaine? Une fois par semaine, le samedi matin, de 10h à 11h. Voilà. Bien précis, hein. 7. Passes-tu beaucoup de temps au centre équestre quand tu ne montes pas? Non. Parce que quand j'ai changé de club, je suis plus loin, je suis à une demi-heure de mon club. Du coup, ça fait un peu loin. Et du coup, mes parents ne peuvent pas m'emmener. Enfin, déjà en fait, venir longtemps avant les courses, ça sert à rien parce que les poneys, on les prépare toujours à la dernière minute. Parce qu'on ne sait pas à l'avance, en gros, le moniteur il vient et puis il nous dit à l'oral. C'est pas écrit sur une fiche, tu le sais une demi-heure à l'avance. Enfin voilà, t'as pas préparé ton poney en fait. C'est ça qui est étrange un peu dans mon club et ce qui me manque dans mon ancien. 8. Quel galop as-tu? J'ai le galop 4, mais je monte avec des galop 7. Voilà la logique, mais bon. Voilà, j'ai galop 4 depuis 2014. Enfin, je le mets en barre d'infos en fait. 9. Fais-tu des concours? Oui, je fais des concours de CSO. Enfin, je fais du CSO. Je fais du CSO, oh, et je monte à chevaux. Oh, oh, moi dans mon centre équestre, je me prends pour de l'estre. C'est gênant, je suis désolée. 10. Quelle est ta... 10. Quelle est ta discipline préférée? J'adore le CSO, forcément. Et j'aime beaucoup le cross et j'aimerais trop faire du Pony Games. Mais ça c'est le rêve de ma vie. Oui. Et la voltige aussi parce que genre ça rime gym, enfin ça rime, non. Ça mélange gym, équitation et j'ai toujours voulu faire de la gym. Enfin j'en ai fait quand j'étais petite mais j'ai pas continué. Apparemment j'aimais pas ça. Du coup ouais, voltige, ce serait marrant. Enfin j'en avais déjà fait mais vite fait. 11. A-t-il une discipline que... 11. Y a-t-il... J'arrive pas à parler. 11. Y a-t-il une discipline que tu aimerais tester? Oui. J'aimerais du coup, mais normalement, faire du vrai, de la vraie voltige, et surtout faire du pony games. Mais du vrai pony games, genre comme tu vas en cours à la mode, truc comme ça. 12. As-tu déjà fait de l'équitation western? J'ai déjà monté avec une selle western, enfin avec un équipement western, mais c'était pour une malade. Et j'ai déjà fait du western, mais avec de l'équipement français, je sais pas comment on veut dire, classique. Genre barrel race et tout. J'ai déjà fait ça, mais enfin, du coup je sais pas. Pensez ce que vous voulez, moi je ne sais pas si je l'ai déjà fait du coup. 13. Aimes-tu les balades? Oui. 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 14. Aimes-tu monter à cru? Oui. J'aime trop monter à cru. C'est trop bon d'ailleurs. Je demande les manches, je monte extrêmement mal quand je suis à cru, mais c'est pas grave. 15. Tu préfères les chevaux speed ou les chevaux à réveiller? Je préfère de loin les speed. Tout ce qui est à talonner, trucs comme ça, je déteste. Mais vraiment, enfin genre... On donne un cheval calme, je vais réussir à te le booster. Hein. Mais genre vraiment, enfin, je vais réussir à le transformer en cheval speed parce que moi ça va me faire chier. Hein. 16. 16. As-tu... Oula ma voix! As-tu déjà monté avec des éperons? 17. As-tu déjà longé un cheval? Non, mais j'aimerais bien le faire parce que genre j'ai appris comment le faire, mais je sais pas. Enfin, je l'ai jamais fait. 18. As-tu un cheval? C'est pas une question à me poser, ça, c'est dégueulasse. 19. As-tu un cheval poney de club préféré? Mulan. Mon baby. Oh, j'aime trop cette poney. Elle est trop folle. En fait, elle fait trop penser à...
osant sa connaître mon club, genre parce qu'elle a son caractère, elle t'avait mis sur refus et tout. Du coup, je l'adore. Puis elle ressemble à Cerise. C'est peut-être pour ceux qui ont suivi la chaîne jusque une fois au tout début. Que représente l'équitation pour toi? Question numéro 20. Comment vous dire que c'est toute ma vie? 21. Comptes-tu faire un métier en rapport avec l'équitation? Oui. Enfin, j'aimerais vraiment beaucoup faire ostéopathe équin. Je sais pas pourquoi ostéopathe. 22e question. Quel a été ton meilleur souvenir en équitation? Qu'est-ce que je peux... Quel est mon meilleur souvenir? 2 hours later. Je dirais que c'est la puissance qu'on avait fait parce que c'était quand même bien cool. Et j'avais failli tomber. Voilà, c'est le meilleur souvenir de ma vie. 23. Fais-tu des tours en équitation? Je comprends pas. Fais-tu des tours en équitation? Ça veut dire quoi? Ah! Est-ce que c'est genre à prendre des tours au bonnet? Non, c'est ça, non, si c'est pas ça, je ne comprends pas la question. Voilà. 24. Quand tu fais une chute, ramènes-tu un gâteau? Bah, dans mon ancien club, c'était des bonbons plutôt. C'était plus bonbons ou apéro. Et dans le nouveau, ouais, je sais pas. Enfin, dans le nouveau. Et dans mon club actuel, je crois que c'est un gâteau. Mais je suis jamais tombée pour l'instant. Donc... Enfin, je dis ça, je vais tomber demain, tu vas voir. Mais... T'entends-tu bien avec ta moniteur, monitrice? Oui, tout se passe bien. Je ne suis pas morte encore. 26. As-tu déjà changé de club? C'est oui, pourquoi? J'ai changé de club, oui. Parce qu'il me plaisait plus, et voilà, raison personnelle. J'avais pas envie d'être là-bas, je me plaisais plus, j'avais peur en plus de monter à cheval. Je me suis dit, hé, cocotte, réveille-toi, change de club, ça va plus. Je suis arrivée dans mon nouveau club, et maintenant tout se passe bien. Je vis le grand amour avec Mulan. Voilà. Donc avant que ça coupe, j'étais rendue à la 27ème question. Je n'arrive plus à parler. Donc, fais-tu des friandises pour chevaux maison? Alors, j'en avais déjà fait dans une vidéo. Enfin, j'en ai fait une fois. J'ai fait la vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Ici, dans le petit truc qui va apparaître. Mais en fait, bah, ça fait 3 ans que je l'ai faite, donc la vidéo est pourrie. Enfin, bon, désolée, mais c'est la grosse merde, mais bon. En fait, j'en ai pas refait depuis parce que les trucs, ils avaient moisi au bout de 14 jours, enfin, genre 2 semaines. Et 2 semaines, t'as le temps de faire 2 cours d'équitation. Mm-hmm. Et donc, il me restait tout un paquet de friandises qui avaient moisi dans mon truc là-bas. Là, j'étais en mode. Ok. 28. As-tu beaucoup de matériel d'équitation? Franchement, ça va. Ça va. Franchement, il y a pire que moi. On va dire que j'en ai moyennement. Enfin, j'en ai normal. J'ai assez matériel. J'ai tout ce qu'il faut. 29. Y a-t-il des choses que tu collectionnes? Par exemple, l'école, tapis, etc. Non. J'ai aucune collection. 30. Ta couleur d'équipement préférée? Alors. En gros, moi, mon équipement, c'est marron. Sauf ma tenue de cavalière. Forcément, j'ai une veste noire et bon noir. Et des gants violets, alors là, le plus dépareillé du monde. Mais j'aimerais trop avoir un ensemble Bordeaux. Vous savez, Bordeaux, un peu muron, machin, c'est trop beau. Ah oui, et bleu, blanc, rouge. Ce serait trop bien. 31. Tes futurs achats. Mais je prévois jamais mes achats, moi je suis au feeling, genre, un truc qui me plaît, tiens, j'ai de l'argent, je prends. Mais je pense que mes futurs achats, ça va être des friandises, parce que j'en achète tout le temps. 32. Tes films d'équitation préférés? Alors, vous allez me prendre pour une je ne sais quoi, mais j'ai pas vu les films du style Spirit, Heartland, Whisper. Attends, parce que je crois qu'il y a Whisper, oui. Voilà, j'ai pas vu ça. Les deux seuls films que j'ai vus, enfin, dont je me souviens, c'est Japlou et Danse avec lui. Ils m'ont marqué. Vraiment, ils m'ont marqué. J'ai trop aimé. 33. As-tu beaucoup de livres en rapport avec l'équitation? Non. Moi? Pas du tout. Franchement, je trouve que c'est pas beaucoup. Hein? Ensuite, faut encore compter ça. Tout ça. En vrai, c'est des magazines. Et toute cette pile également. 34e question. Quelles sont tes vidéos d'équitation YouTube préférées? Tag, etc. Ce que je regarde, c'est les vidéos de cours, de concours. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère en fait. Regardes-tu Equidia? 35e question. Non, je n'ai pas la chaîne. Je suis excédée. 36e question. Ta pire expérience en équitation? Comment on peut trouver une pire expérience à part mourir ou se casser une jambe?
Moi, je me suis jamais fait mal à l'équitation. J'ai pas de pire expérience. 37e question. Une chose que tu regrettes en équitation. Alors, bah, je regrette ma ponette, enfin mon ancienne ponette, genre cerise, pour ceux du début, parce que j'aurais trop voulu approfondir le travail que je faisais avec elle et tout, enfin, genre petite bécha, je veux trop la revoir et tout. 38e question, ton rêve en équitation? Bah, comme tout le monde, posséder mon propre poney, ou alors au moins avoir une demi-pension. Je demande au moins ça. 39e question, fais-tu des vidéos équitation sur YouTube? Non. Petite blagounette. 40e question, as-tu aimé ce tag? Oh oui. Oui, ça peut aller, oui. Et 41e question, qui désires-tu taguer? Donc, je tague tous ceux qui veulent le faire, hein, si vous voulez recopier ce tag, parce qu'on l'a été fait je sais pas combien de fois, donc je tague personne, ces questions, on aurait même dû l'enlever, parce que ça serait 40. Voilà. Donc voilà, fin du tag, j'espère que ça vous aura plu, que vous en saurez un peu plus sur moi et que cette petite vidéo pour les 1000 abonnés vous plaît. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, gros bisous, comme j'ai parlé, c'est abusé. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai du rouge à lèvres plein les doigts, non. Gros bisous.